call me back? Did you find the guy we traced? Yeah. Some bad history there. Listen, I need to find someone else. This time I have a name, Helena Tucci. She's related to a guy I'm after. Does she live in Chicago? Yeah, I need a location right now. Got her. Wow, she's got a serious digital footprint. Okay, this morning she posted about a meeting today outside the Willis Tower. All right, I'll call you when I'm there. May need more help. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur frappestage.fr. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de Watch Dogs et l'émission 8 et 9 de l'acte 1. Et ce sont les deux dernières missions de cet acte, donc on va enfin terminer le premier acte de ce petit jeu. Enfin, pas si petit que ça, j'ai tendance à dire petit alors que ce n'est pas le cas. Des bâtons dans les roues, voici le nom de la mission et on va la lancer de ce pas. Ok, je suis à la Willis Tower. Qu'est-ce que tu as sur Helena? Looking through status updates. She likes selfies. Here she is making a duck face, a sparrow face. She loves her cats too. Why are you targeting this clueless girl? I'm not. I need to find her uncle fast, and Helena's gonna point the way. Alors, utilisez le profiler pour localiser la nièce d'Angelo Tucci. C'est parti. Okay, here's something. She posted a pic this morning. Her outfit for the day. Dark hair and glasses. And she's showing off a green backpack. Thank you, social media. That's a start. I'll keep digging. Ok, donc sac vert, c'est parti. Bon, moi je sais qu'elle est à l'intérieur du bâtiment. Donc je vais avancer un peu plus rapidement quand même. Oh, compte bancaire, merci, je prends. Donc recherchons quelqu'un avec un sac à dos vert. Girl. What's that? I've got her medical records. She had an abortion last year. That might explain the therapist she's seeing. Why are we prying this deep? I don't need a history, Clara. I need a location. Hey, I start the search and information just comes in. I don't control the content. Hold on. Perfect. She just posted a status update. She's inside Connolly Square. It's a glass structure. Should be right near you. I got it. Nice work, Clara. Now delete those files. I'm dead sick, Aiden. We believe information should be free. Clara. Relax. We don't pick on innocent girls. Compte bancaire. Il est où le compte bancaire? Là. Je prends ça aussi. Donc on va rentrer, puisque manifestement elle est là-dedans. Et alors, une fille avec un sac à dos vert. Là voilà. Donc on reste à bonne distance et on pirate son téléphone. Well, you know what? Hello? Miss Tucci? I'm Dr. Hyatt with the Chicago General Hospital. We received your Uncle Angelo's blood work, but you're the only number he gave us. Do you know where we can reach him? It's urgent. No, sorry. I haven't heard from my uncle in years. Okay, thank you, ma'am. Right. Wait for it. Okay. Yeah. I don't know. Hop, on repirate. Helena, you need concert tickets again? No, listen, I got a weird call. I think the cops are looking for you. What? Damn it, you calling me just gave them a trace. Hang up now. Gotcha. Where are you, Angelo Tucci? There you are. Eh ben voilà, on l'a localisé. Angelo Tucci. This guy's leading the prison transfer for my witness. Somebody's paying Tucci for the vigilante's identity. Somebody wants my name. Well, good luck with that. Ok, donc on va vite lui tendre une embuscade. Pour ce faire, on démarre super vite. I'm getting a little nervous here, Pierce. You find him? I'm tracking his GPS. Cut him off before he reaches the prison. Nice. Donc c'est très simple, on n'a qu'à suivre cette voie, on va arriver directement sur son parcours. Et j'espère qu'on va réussir à le neutraliser, parce que bon, si...
il réussit à livrer le témoin, bah Aiden il sera un petit peu dans le caca puisqu'il pourra être identifié. Et donc du coup il aura tous les fixeurs de Chicago qui accepteront le contrat et qui essayeront de le tuer. Ou de lui voler des informations. Hop, on se met ici. Je vais prendre mon AK, c'est bon. Non, c'est quoi? C'est pas une AK que j'ai. Si, c'est bien une AK-47. Très bien. Hop, on se gare. On sort. Et on se met à couvert. Maintenant, on va attendre bien gentiment. Sinon, j'ai une grenade frag aussi, ouais. J'ai oublié ça. Et voilà! On s'occupe des hommes de main aussi. Et on va vite se barrer. Puisqu'on est poursuivi, vu qu'on vient de faire un petit peu du grabuge. J'ai pas de blackout, tant pis. Par contre, hop, je bloque les appels. Parce que j'ai pas envie d'avoir les flics en plus des hommes de main de Angelo Tucci. Est-ce qu'il va se prendre une voiture? Oui! Magnifique! Voilà, menace éliminée. Ça, c'est fait. Des bâtons dans les roues, mission accomplie! Ah, ce que j'aime voir cela. On va attendre un autre coup de fil, bien entendu. Et j'ai gagné en réputation en plus. Génial, et un point de compétence. Mais bon, avec ce point de compétence, je peux pas m'acheter grand chose. Si des grenades frag, allez, on va le débloquer. Ça sera fait. You still have contacts in the prison? I already asked if they could make our guys slip in the shower. They're dirty, but they're not that dirty. I'm gonna get arrested. Of course you are. Why the hell are you doing that? This witness we're after? He's a nobody. He was in the wrong place at the wrong time. He wasn't looking for me. I don't want to kill him. I just want him to understand I can reach him anywhere, anytime. That is a terrible plan. I love it. I'll find a map of the joint, talk you through it once you're inside. Anything you need? My phone? Jesus, you have a problem. You need to unplug. Jordy, I need my phone. They'll confiscate it the second I'm in. Yeah, I know. I'm fucking with you. I got just a guy. He's begging to settle his debt. Just get your phone. Eh ben, c'est parti. On va se faire arrêter pour pouvoir arriver en prison. C'est plus rapide, c'est vrai, que d'essayer de s'infiltrer. Hein. Mais bon... C'est un peu risqué quand même, parce qu'après faut pouvoir ressortir. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Hein. Alors, est-ce qu'il y a un véhicule pas trop loin que je peux emprunter? Non, bah je vais devoir arriver. Enfin, aller jusqu'à la route. Escorte criminelle. Non merci, ça ne m'intéresse pas. Ah, il y a une voiture là-bas. Salut toi! Tu es à moi désormais. Et je vais mettre le GPS histoire de pas me paumer. Voilà! Donc un petit trajet et on pourra lancer la mission. Et donc la dernière mission de cet acte, si vous suivez bien, les amis. On est déjà à la 9e mission principale, quand même. Et oui, ça passe vite. Désolé pour les petits moments de lag hein, ou de quand ça rame. En centre-ville, parfois, ça a un petit peu de mal. Tenue légère. C'est parti. Palin Correctional Center. They recently upgraded the place with Bloom's state-of-the-art security. Networked locks, automated surveillance. If they were holding the guy in an older prison, I'd have a problem. But Bloom's right on this one. They do make life easier through technology. Je ne te le fais pas dire. Freeze! Drop the gun! Get on the floor, now! Hand behind your head! Do it! Let's go.
Tell Jordy we're even now. Don't move. Pierce. Hayden. Never again! Smith! I already told you, man. You ain't never gonna find it until it's stuck between your shoulder blades. Yeah, yeah, get in there. I got 20 minutes of rec time, motherfucker. Suck it up. Et bah, ils ont l'air sympathiques. Allez, on va pirater la caméra parce que notre but c'est de s'évader. Et il n'y a pas de caméra fixe ou très peu. La plupart du temps, on va devoir utiliser les caméras des gardes. Parce qu'ils portent des caméras cachées. Par contre, du coup, on ne peut pas les neutraliser. Enfin, en tout cas, moi j'ai déjà essayé une fois d'en neutraliser un. Je me suis fait repérer tout de suite, donc je suppose que c'est à cause des caméras. J'ai raté mon coche, fallait que je pirate l'autre garde. Voilà. Non, j'ai pas pu non plus. Génial. J'aimerais pirater celui-là, voilà. Ce qui va faire demi-tour et il va aller à l'endroit où je veux aller. Faut juste être un petit peu patient. Ex-videur de boîte de nuit. A récemment pris un congé d'essai. C'est marrant tous ces petits détails hein, sur les gardes, etc. Pirater. Voilà, la caméra est juste ici. Et je peux enfin pirater le système de commande pour ouvrir la porte. Jordy, I'm inside. Obviously. Cut the shit. I should have sent you in here. This was your mistake. You might want to keep it down. You'll end up with a free trip to solitary. I can't get you out. I'm gonna find the inmate schedule. I'll be in touch. Alors, on va essayer de pas se faire voir. Ça serait cool. Oula. Là, c'était moins une. Juste ici, il y a un petit enregistrement audio à récupérer. Il a l'air content, Malcolm, hein. Félicitations pour ta mutation. Je sais pas s'il parlait d'un boulot, d'un déménagement. Enfin bref, il avait l'air très très content d'être devant les labos X de Bloom. Jordy, I found the schedule. Where's the exercise yard? Up top. On top, d'accord. Donc on va attendre que ce garde passe. Et on devra se rendre, bah, là-bas où c'est indiqué, hein. Tout simplement. Voilà, casse-toi mon petit, que je puisse passer en toute sécurité. Je longe bien les murs parce qu'il y a quand même les gardes qui sont au-dessus qui peuvent me voir. On déverrouille. Eh ben je me suis fait repérer, et voilà, comme quoi j'étais tellement pressé d'y aller que je me suis fait repérer. Magnifique les amis, un bon fail dans cette fois absolue, ça manquait, c'est vrai, hein. Ah bon, allez, c'est pas grave. Ah bah ça fait un checkpoint. Génial. They think they can nose us out of jobs with this automation shit? Keely said his paycheck took a hit too. Blows, man. This totally blows. On change de caméra. Comme ça, on pourra aller pirater. Ces petits serveurs, d'ailleurs, on déverrouille la porte. Et on peut pirater ceci. Alors, regardons bien qu'est-ce qu'il faut faire. Visiblement, il faut amener comme ça, puis comme ça. Et voilà. This guy had his own Picasso ink all over his face. Ugly as shit. Makes him an easy mark. He's up here somewhere. Normalement, il est juste là. Voilà, Lionzo Raoul. Now, gonna get you off the roof. Says I have to be moved. Who are you guys? What about my lawyer? Where are we going? Answer me. Show me the paperwork. Where's my lawyer? We're taking you to your no. lawyer. No way. Right after we clean you, what are you up gonna do? First. I ain't going with a shut bunch of crooked. Fuck up. Ooh. Damn. Better reach him fast before they kill him. And that's a problem. Some guards just took our guy. Fuck. They
Clint. They're in the basement. Ah bah apparemment si, on peut les éliminer même s'ils ont une caméra. Bon bah ceci est fait. J'ai récupéré des munitions de fusil à pompe, c'est toujours bon à prendre. Et on se casse par l'ascenseur, hein. Pourquoi se... sans kikiner, j'ai envie de dire, il y a un ascenseur, autant le prendre. Seems like there's quite a little crooked operation being run out of this joint. Look at you bringing justice back to the prison system. Floor's empty. Door's wide open. No silent alarms have gone off. Watch your back. Ok, je vais faire attention. Alors, on récupère ce fusil à pompe, il va nous être très utile dans pas longtemps, croyez-moi, et on va pirater. Oula, qu'est-ce qui se passe là-bas? Notre ami se fait tabasser. Think we don't have friends in high places? They expect a cut too. No, I told you already. It wasn't a deal. We got called, man. Someone fuck tricked that. Us. Tricked. Stop lying. We warned you before. Think we won't leave you for dead too? I can't take no more. I'll tell you what I know. I swear. Please, man, I swear. And your buddy? What happened to him? Where is he now? Maurice? I don't fucking know. They got him. They must have killed Who's him. Who's they? I don't know. Fucking names. Give me names. I don't know. But you got a good look, didn't you? Eh ben, il passe un sale quart d'heure, Raoul. Allez, on pirate et on sort. Bon. On va avancer et préparez-vous à la baston. On prend le boost focus juste ici, ça peut être utile. Et là, ça va cartonner, les amis. Tiens, toi, tu prends ça. On fait péter ça, ça va nous aider un petit peu parce que ça les déconcentre. Prends-toi ça. Toi aussi. J'étais là. Bon, lui c'est bon, il a eu son compte. Et le petit dernier il est là-bas. Voilà, oula. Qu'est-ce que c'est que cet ennemi? C'est un ennemi pas sympathique du tout, vous allez voir. Il est même plutôt méchant. Prends-toi ça! Là, faut vraiment y aller mollo. Perturbons ses communications. Il est coriace le bougre! Voilà! Ça c'est fait! Il y en a deux nouveaux qui sont arrivés. Juste là-bas. Et voilà! Sans problème! You know, it was pretty simple. These high-tech security prisons, they make it quite easy, really. Have we met? What? Have we met? No. No, I never seen you, man. Mm. Yeah, I didn't think so. So you're in here for 60 days. Good behavior, you're out in 30. What does that say? Years? What are you doing, man? I'm just showing you an alternate future. You know, in case you get the urge to share your stories or make a deal with the cops. We're clear, right? All units possible prison escape. Be on the lookout for white male, Joe Smith.
I need a unit up to the laundry. We've lost communication. Copy. We're on it. Bah, ça, c'était de la fusillade, hein. Jordy, it's done. Fantastic. I'm guessing you're eager to get out of there. There's a care package on its way for you. Where? Don't worry, you'll see it. En effet, je peux pas le louper, hein. Ça j'adore. Échec de la reconnaissance faciale. Dès qu'on va dessus, hop, ça floute. C'est bien trouvé, je trouve. All units be advised. Suspect has been located. Officers requesting backup. Il y a tout qui est fermé, on peut rien fouiller. Je vais garder la K, ça peut être utile. On rentre ici, élément chimique. Ah non, du brouillage, et l'élément chimique il est. Je sais plus où. Il me semblait qu'il y avait un élément chimique pourtant. Non, bah j'ai craqué. Bah il y a du brouillage, voilà. Et un enregistrement audio, ça, faut pas le rater. Okay, people, you ready for this? Friggin' mind control. Seriously, man, that's why they hired a social psychologist, hello? Okay, so there's no badass laser or satellite, at least not that I know of, but it's still pretty fucking cool, right? The CTOS, it's collecting information on like everybody, and we get to play with it. Oh shit, gotta go, more soon. Malcolm, toujours ce bon vieux Malcolm. Elle en déverrouille. Et bah, on va devoir se casser, course-poursuite, tout ça, hein. Oh, j'avais pas vu ça, meurtre d'officier de police. Ça nous fait baisser de... Hein? Je préfère démarrer parce que tuer les policiers c'est pas cool, ça nous fait perdre de la réputation. Je vais essayer de me barrer par là, tiens. Oh, il y a une belle voiture là. Par contre, il y a plein de flics dans les parages et ça c'est pas bon du tout. Allez, slalom. Esquive, ça c'est bon ça. Ensuite, par ici. Voilà qui est fait. Neutralisation. Je perturbe l'hélicoptère. Non, j'ai pas réussi, bien sûr, ça n'a pas voulu marcher. Ah, ils m'ont perdu de vue, génial. Essayons d'esquiver. Pas se faire choper. Attention les piétons. J'ai pas envie de vous blesser. Et voilà, sans problème. That plan actually worked. Identity safe. Now, Lena's attackers. I want the one responsible. Damien bragged about a second hacker. Someone else inside the Merlot. Need to find out what Damien knows. Acte 1, tenue légère. Mission accomplie. Et donc c'était la fin de l'acte 1. Donc normalement vous déverrouillez un petit succès. Voilà, donc je vous explique juste, j'ai redémarré tout à l'heure en sortant du commissariat de la prison parce que j'ai tué des flics et j'avais oublié que cela enlève de la réputation. Donc je préfère redémarrer pour ne blesser aucun policier et donc ne pas perdre ma réputation. Voilà. C'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc très vite pour la suite des aventures de Hayden Pierce. Et je vous fais des gros bisous les amis, comme d'habitude, partagez et commentez cette vidéo si elle vous a plu.